Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur F1 Simultané. Nous sommes en direct sur Twitch pour fêter les 5 ans du forum F1 Simu. Alors vous pouvez mettre vos micros les gars. À mes côtés pour fêter ces 5 ans, Olivier Brognard, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jean-Lim. Bonsoir. Et Greg Febo est également avec nous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Greg Febo qui est revenu de son sous-marin de la dernière fois. On devait avoir un invité qui arrive en retard. Voilà, ça arrive. C'est au clair. Ouais. On devait commencer l'émission avec donc le moment de l'invité au clair. Ah bah bravo. Comment? Ça commence bien. Ça commence très très bien, c'est magnifique. Donc, parce qu'il y a quand même un parcours assez particulier. Je crois que c'est la première fois que je vois son parcours. Un pilote remplaçant qui, dès sa première course de titulaire, fait un podium. Oui, Olivier Brognard, on était très impressionnés au Canada. Oui, parce que ses remplacements ont été plutôt bons. D'ailleurs, il va arriver, hein, je vois qu'il se connecte. Ses remplacements avaient été bons, mais pas forcément non plus extraordinaires. Et ce Grand Prix du Canada, voilà, première titularisation, toute l'équipe est derrière lui. Et là, il nous sort la course de sa vie avec un pilotage sous la pluie qui a été excellent. Et un podium, carrément une deuxième place devant le leader, le vainqueur de l'année dernière, et juste derrière le leader du championnat actuel. Donc c'était la grosse surprise pour tout le monde. La grosse surprise. Alors dans cette émission, on va revenir maintenant sur les moments forts des 5 ans de ce forum. Il y aura aussi le tirage au sort des 20 euros à la fin de l'émission. Giggs fera son retour aux 90 secondes chrono. Et il y aura également un 90 secondes chrono d'un auditeur, voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui mettra son pseudo dans les commentaires et puis il tirera au sort, comme l'année dernière, il y aura un auditeur qui fera donc le 90 secondes chrono. Je crois qu'Auclair est là. On est en train de l'appeler. On est en train de l'appeler. Alors, il faut meubler un petit peu. Ça, c'est bien. On va rappeler hein, Auclair son parcours. Donc, pilote remplaçant GP2, qui est d'ailleurs, au départ, il ne devait pas courir. Hein. Enfin, au tout début. Et au tout début, il était vraiment en difficulté. Je crois qu'il est arrivé. Ah, je suis arrivé. Ah, bonsoir. Bonsoir, Auclair. Rapprochez-vous un petit peu du micro là si vous pouvez. Comme ça? Oh, ouais. C'est très bien comme ça. Alors, une des raisons aussi qui nous a fait inviter Auclair, c'est qu'il suit F1 Simultané depuis le début. C'est exact. Depuis la saison 2, à peu près, la saison 3 de GP2. C'est quand même incroyable, parce qu'il sait des trucs que nous on se rappelle plus. Hein. C'est vrai, c'est incroyable. Ça c'est très fort. Alors on parle. Oui, c'est grâce notamment à vos commentaires que j'ai voulu m'abonner chez vous. Ah, c'est bon. Ça me touche énormément. Quelque chose de bien. C'est vrai que le jeu. Donc, on parlait de votre situation, Claire. Donc, vous étiez pilote remplaçant et vous êtes devenu pilote titulaire. Dans la tête d'un pilote, qu'est-ce qui peut se passer en tant que pilote remplaçant? Est-ce qu'on fait tout pour être titulaire? Ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, je roulerai jamais de toute façon puisqu'il n'y aura pas d'option? De toute façon, oui, franchement, c'est une énorme d'être titulaire. En tant que remplaçant, bah, j'ai essayé de tout donner sur les grands prix où j'étais remplaçant. C'est de pouvoir avoir cette opportunité et puis une saison à venir, ça passe mieux d'être titulaire. Rapprochez-vous un petit peu du micro, s'il vous plaît, Aucun. Okay. Une loi. La régie dans l'oreillette qui nous dit ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire le podium au Canada, le grand prix de votre titularisation? Oh bah ça c'était énorme, c'était pas du tout attendu, alors du coup ouais, c'était pour le premier jour de la titularisation, déjà pour être titulaire ça a été vraiment une super nouvelle, mais alors être second c'était vraiment inespéré. Et est-ce que vous avez un objectif maintenant pour cette fin de saison? Alors cet objectif je l'ai révélé à Olivier Brognard. J'ai déjà c'était de tenir la 6e place aussi bien que je peux, mais ça va être très très difficile. Et pourquoi pas aller essayer de chercher Chris pour la 5e place. Mais franchement, ça c'est très ambitieux, je serais content, mais ce serait déjà énorme. Et bon, on suivra ça, ce sera en direct sur Twitch, pas tous les lundis, mais à chaque fois qu'il y a une course. On va accueillir Giggs tout de suite. Pour faire rescue là. Alors attendez, ça, il faut que je le prévienne avant, hein. Laissez-moi une minute. Bon, c'est pas grave, on va revenir tout de suite sur un des moments forts des 5 ans, c'est la saison 4, F1, la saison 4 qui était, personnellement pour moi, la plus belle saison du forum. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier Brognard.
Alors, j'espère ne pas me mélanger, c'est celle où le titre s'est joué à la dernière course au Brésil entre Aurélien et C'est Adeo. ça. Ah oui. C'est ça. C'était une très très grande saison, ça vous avez raison de le dire. C'est dommage que j'ai pas préparé le classement, ça aurait été sympa de le mettre. La saison a été très très serrée, hein, du début à la fin, pas pour tout le monde, hein, le titre s'est joué qu'entre deux pilotes. Cela dit, il y avait du gros niveau cette année-là, énormément de niveau. Il y a peut-être même ce Grand Prix du Belgique absolument extraordinaire. Ah non, c'est peut-être pas celui-là. Mais ça avait été une très très longue saison qui s'est jouée jusqu'à 3 tours du but. On se souvient de cet accrochage-là, hein, un peu bête, entre le pilote Ferrari et Mercedes, Red Bull, pardon, qui avait décidé du titre. Un très très grand moment, plein de suspense, qui avait été suivi par beaucoup de monde. Et aussi toujours des belles courses hein, tout au long de la saison. Mais le paradoxe un peu, c'est qu'il a fallu attendre les deux derniers Grands Prix pour avoir deux vainqueurs différents. Ah oui, ça c'était incroyable. Alors là, le classement arrive, hein, il suffisait de le demander. Hop, voilà. On le voit, hein, on le voit, c'est saisissant. Hein. Jusqu'à Abu Dhabi, je crois qu'il y avait 20 courses cette année-là, donc 18 premiers Grands Prix et simplement deux vainqueurs. Aurélien Adéo, avec une série incroyable de 7 victoires d'affilée pour Aurélien au milieu du championnat, ça avait été incroyable. Et Austin, bah, v'là-t-il pas que, le pilote Lotus, libéraux. Sort le bout de son nez et on se souvient d'un fait incroyable, hein, je sais pas si vous vous souvenez de mais il y avait eu un accrochage entre Aurélien et Adéo qui menaient alors la course et un petit accrochage au premier virage d'Austin vers le deuxième tiers de la course et Libero avait attendu les deux pilotes alors qu'il n'était pas du tout responsable mais il voulait pas gagner comme ça, il les a attendus, il les a même laissés repasser et il a quand même gagné la course derrière, c'était incroyable. Et Fredo qui gagne au Brésil. Allô? Il devait avoir une condition parce que je pense que Fredo devait. Non, je crois qu'Adeo devait gagner et Aurélien devait finir troisième. Exactement. Si on s'amuse à refaire les petits calculs, on va les refaire, mais c'était ça l'idée. Une victoire simple d'Adeo amenait une égalité, je crois, au classement. Mais Aurélien avait plus de victoires. Donc ça ne suffisait pas. Il fallait placer un pilote entre Adeo et Aurélien. Et ça a été tout le dilemme stratégique de cette course, hein, qui a été incroyable, hein. Voir un pilote ralentir exprès pour que ça revienne derrière, on n'avait jamais vu ça, mais c'était nécessaire et c'était tellement difficile à gérer que peut-être mentalement ça a craqué du côté du pilote Ferrari avec cette panne de Kers aussi à la fin et cet accrochage et du coup Fredo a profité de l'occasion pour aller gagner, il l'avait bien mérité aussi, une belle course de la part de Fredo. C'était donc pour moi la plus belle saison Ah oui. pour le moment. Il y a peut-être cette année qui peut être pas mal. Cette année, c'est pas mal parti. Ouais. Je, C'est je, pas mal parti. vous voulez que je prévienne Giggs de venir dans combien de temps? Dès qu'il peut. D'accord. Je le préviens. Pendant qu'il arrive, on va se faire le brevet de la F1. Voilà, je reviens un petit peu le programme, c'est pas grave. Le brevet de la F1, donc très simple, hein, des questions sur. Alors. Première série avec 4 réponses possibles, ce sera sur la F1 en 2016 et après les autres questions ce sera sur le forum avec des questions un peu plus compliquées. Donc ce sera Greg Febro qui est là, ne hein, vous inquiétez pas, il parle pas mais il est là. Olivier Brognard et l'invité Auclair. Alors qui veut commencer? Moi. Ouais, c'est cool. Olivier Brognard. Oui. Première question, répondez. On va laisser un petit peu de temps également pour les personnes dans le chat pour pouvoir essayer de répondre. Très bien. Alors, dans quelle ville se déroulera le nouveau Grand Prix d'Europe en 2016? Des propositions. Ah oui, vous un savez peu déjà plus, où c'est. ouais. Est-ce que c'est Makou, est-ce que c'est Takou, Bakou ou Balou? Incroyable. Je dirais la réponse B ou C, La je sais réponse. plus, c'est Bakou. C'est une bonne réponse. Merci. Je vais faire les bruitages. Ah, vous auriez dû me le dire, j'en aurais téléchargé. Bon, quoi? allez-y, allez-y. Allez, ok. Quelle est la nouvelle équipe en F1 en 2016? Est-ce que c'est CAS? Est-ce que c'est AS? TAS? Ou FIAS? Bah, j'hésite avec FIAS, mais. Je sais pas, AS Grand Prix. C'est une bonne réponse. Bravo! Incroyable. Greg Febro. Il est toujours là, c'est bon, il s'est pas endormi? Non, toujours présent. Toujours présent. Greg Febro, spécialiste Renault. C'est une question sur Renault. Oh. Il y a de la chance.
lors d'une titularisation chez Renault à la place de Maldonado. Est-ce que c'est Magnussen, Kobayashi, Vergne ou Kartikeyan El Koukoumbé? Le Danois, Kevin Magnussen. C'est une bonne réponse. On va retourner à Olivier Brognard, qui devrait savoir cette réponse. Quel est le pilote le plus titré à la CIMU? Il y en a deux. En championnat pilote, hein? Oui. Il y en a deux, c'est Aurélien, enfin il y en a même trois. C'est Chronic, Aurélien et Adéo. Écoutez, c'est parfait. J'avais mis un des trois, il a dit les trois, c'est parfait. Les trois sont à deux titres, et cette année, il pourrait bien y avoir une différenciation. Une différenciation, peut-être un triple champion. Peut-être. Ou alors un triple champion, et pourquoi si possible. Auclair, vous qui suivez Facilité depuis longtemps, ça devrait être facile. Avec qui? Gaël, ne rigolez pas. A-t-il sa plus belle bataille? Oh, il sèche. Proposition. Ah non, c'est pas proposition, c'est... Ah, bah, je sais pas, moi, je... Ah, vous ne savez pas? Non, mais je savais pas, je pensais que j'avais des propositions. Ah. Il va le savoir, il va trouver. Ah, vous savez pas? Non, c'est plus bête bataille, bah... Ça dépend, il en a fait tellement des grands prix aussi. Oui, mais il y en a deux qu'on retient. Ouais. Et ceux de cette année, ou... Non, de tout, le... Son... Oui, oh là là là. Son grand rival. Son grand rival. Ah non. C'est... Il l'a pas. Non, Delma, ce n'est pas sa hache. Incroyable. Bah, c'est T34, enfin. Allez, oh là là. T34 FR. Oh, ouais, mais ça fait longtemps aussi. C'est bon. T34 FR qu'on salue. Bonsoir. Je m'appelle T34. Je sais qu'il sera très content qu'on parle de lui. Je sens déjà sa troisième jambe. Greg Fébro. Posé. Qui? Je crois que c'est qui, je sais même pas si c'est qui. Qui est la mascotte officielle du forum? Le renard, là, le... Ah non, oui, mais un prénom, le renard. Oui, un prénom. Filou. Filou, bonne réponse. Les Asturies. Renard des Asturies, d'ailleurs, comment va Filou? Ça va très bien. Vous aimez bien ce début d'émission pour l'instant? Oui, je prends beaucoup de plaisir. il est content, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. On sent qu'il ça est content. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Ouais. Ça fait. D'ailleurs, pour le tirage au sort des 20 euros PSM, il y aura un truc en rapport avec Fibre. Oh putain. On retourne avec Olivier Brognard. Alors, attendez deux secondes, il y avait une deuxième mascotte aussi. Ah. Qui ça? Un espèce de perroquet, je crois. Ah oui. Mais ça, c'était chez nos amis anglais. Et Jaco. Le perroquet Paco. Mmh. Ah, d'accord. N'importe quoi. Oui, Brognard. Oui. Question facile pour vous. Ouais. Qui surnomme-t-on? Même sans ça, vous pouvez savoir. Ouais. Qui surnomme-t-on? Michael Schumacher Junior. Ah, je pensais que ça allait être le roi de la pluie. Eh ben, je dirais. Ah, ouais. Gaëlito. Bien sûr, le grand Gaël. C'est une bonne réponse. Les oreilles qui sifflent. Heureusement que c'est pas Olivier Brognard qui est tombé sur cette question. Oula. Qu'a crié Olivier Brognard l'an passé au Brésil quand William et Tommy se sont battus dans la ligne droite? Les bastons. Les bastons, vous pouvez pas le repasser un coup? Non. Ah là, non, c'est pas possible. Là. C'est pas possible. Ah là, c'est pas. Pour retrouver la vidéo. Ouais, là, ouais, là, vous m'avez vu, là. Je vous ai vu. Là, vous m'avez vu. Action. Quelle est la seule fille à avoir couru sur le forum? C'était en GP2. Son pseudo. Non, je ne vois pas. Les Lourognards, vous savez? C'est Maddy Nina. C'est une bonne réponse, mais il est trop fort. Il connaît tout, surtout. Il est incroyable. Ah, j'ai peut-être les Bastins, mais il faut que je retrouve. En fait, j'ai le fichier MP3 qui fait 1h25. Alors, c'est pas facile. Très bien.
Bah, cherchez dans votre coin. Bah oui, mais on va entendre, je peux pas chercher dans vos coins. Vous allez entendre. Ah bah, tant pis. Ouais. Regardez sur F1 Simu Télé, Grand Prix du Brésil l'année dernière, il est bastard. Bon, il y avait une question de rapidité, mais on va pas la faire, puisque c'est Olivier Brognard qui a gagné. C'est le brevet de la F1, bravo à vous. Wouhou. Ça fait 2 points depuis le début de l'année. Vous êtes en verve, j'ai envie de dire. Ah oui. Oui. Est-ce que Giggs est là? Alors attendez, est-ce que Giggs est là? C'est quoi son pseudo? On l'a au moins? Je l'ai. Ouais, théoriquement, il m'avait dit j'arrive dans 2 minutes, il y a 5 minutes. Écoutez, je vais l'ajouter. Je ne le vois pas. Je retourne sur Facebook pour voir, parce que je coupe à chaque fois pour pas avoir trop le son. Et les bugs. Alors, je rappelle que l'émission sera rediffusée sur YouTube un peu plus tard. Et non, il n'y a pas de cache parce que même. C'est fini, ça, il est revenu m'engueuler la dernière fois. Ah, et ça, j'en veux plus, moi. Je veux plus de faire de gage. Est-il là, Giggs? Alors, il dit qu'il est prêt sur Facebook, mais alors moi, je le vois pas sur Skype. Je sais plus ce que c'est son pseudo en même temps. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait une erreur dans la question. C'est écrit, c'est Tommy, c'était pas William et Tommy. Excuse. Ouais. Allô? Ah, Giggs est là. Ah! Eh oui, enfin, enfin. Giggs le réglera. L'heure est grave. L'heure est très grave, quand. La dernière fois, vous avez fait 0 points. Et j'avais omis, oh désespoir, que j'avais instauré une règle, tout simplement, celui qui fait 0 va recommencer. Mais j'avais omis ça la dernière fois, puisque l'émission, c'était totalement n'importe quoi. Ouais. Exactement. Et donc, ce soir en live, vous allez recommencer ce 80 sur entre nous. Olivier Brognard, à vous les lettres. Allez, c'est parti. On va choisir pour Giggs la lettre B. Lettre B comme Boubours. Quoi? La lettre B comme ce qu'il y a de court chez vous, Olivier Brognard. Ah oui, oui, d'accord. Limité. Bon. On ne peut pas dire, nous sommes une heure de grande écoute. Oui. Ouais. On est en pagne, là. Le mec en costard cravate, il sort des bites. Ah! Meublé, meublé. Giggs, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Attention. Olivier Brognard, vous êtes prêt aussi? J'aurais dû mettre une animation chrono. Ah oui, je suis prêt. Chrono. Ça fait la pointe de la technologie. Je sais pas pour ça. Essayez de répondre également sur le chat. Hein. Donc, 80 secondes pour ceux qui connaissent pas, voilà, il y a des catégories. Et Giggs va devoir commencer. Son mot par la lettre P. Et à mon avis, depuis une minute qu'il connaît la lettre, il a déjà cherché des mots. Alors dépêchez-vous. Mais oui, c'est pour éviter qu'il marque 0. Attention. Allez, c'est parti. Un motoriste en B. Un F1. Oui, oui. J'en ai pas. Passez, passez. Je crois qu'on va faire une émission sur ça. Un sponsor en B. Bridgestone. Un élément d'un circuit en B. Ça peut être un. Une barrière. Une bascade. Un élément de la voiture en B. Une bouche d'aération, mon gars. Un site web de F1. Bossu.com F1. Un nom de virage en B. J'en ai pas. Je un pays ayant accueilli la F1 en B. La Belgique. Ça va faire plaisir à tous les Belges. Ils sont nombreux. Une écurie en B. C'est pas obligatoire pour une écurie d'aujourd'hui, ça peut être une écurie de... J'en ai pas... non, je sais pas. Ah, merde. Et un poleman en B. Un poleman en B. Prenez votre temps, hein. Incroyable. Finir. 2h30 à peu près. J'en ai pas du tout, non. Ah là 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 là. Même avec une lettre facile, c'est une catastrophe. C'est terrible, hein, ça ne veut pas. Exactement. Ça ne veut pas. Alors,
On remercie la... Clair, hein, voilà, notre réalisatrice là, qui est en train de parler. Alors, oui, bon, là, vous avez les réponses à leur en B, en autoriste, je crois qu'il n'a rien répondu. Il n'a rien répondu et je sais pas trop. BMW. BMW, bien vu voilà. Bien sûr, enfin. Voilà. Bon, je voulais dire aussi Bugatti, mais je suis pas sûr qu'ils étaient en. Dans le chat, ils sont vraiment pas sympas avec vous. Parce qu'ils disent que c'était super simple. Ah, ils sont. Ouais, c'est pas facile quand on a le frein. C'est pas facile. Alors, un sponsor en B, c'est quoi qu'il a dit Bridgestone, ce qui est bon. Bah, c'est tout à fait bon, il n'y a aucun problème. C'est tout à... Il a marqué un point, donc il ne recommencera pas. Et il y en a un deuxième qui arrive. Élément d'un circuit en B. La barrière. C'est quoi une barrière? Eh ben, c'est bon pour moi. C'est une bonne réponse, écoutez. Il y a des barrières sur tous les circuits. Et après, c'est qui suit, c'est la portée, quoi. Ah oui. Il a fait la proposition d'Auclair aussi. Ah. On ne peut pas le dire. Ah. Élément de la voiture, une bouche d'aération. Alors, lui, Brognard. On va demander à Greg Febro, spécialiste de la mécanique, est-ce qu'une bouche d'aération, on peut trouver ça sur une F1? Ah, j'aurais plutôt validé une boîte de vitesse. Tout à fait. Oui, le ralenti ouvrier aussi. Tout simplement, le baquet aussi, bien sûr. Oui, le baquet. Ah oui, le baquet. Exact. Vous êtes dégueu. Exact. Un site web de F1, alors là il a dit bossuf1.com. Pour la première fois, je vais même pas taper le truc. Hein. Je crois que c'est certain, ça n'existe pas. Maggot Beckett, bien sûr. Beckett. Maggot Beckett Chapette. Voilà. pays accueilli la F1, il a dit la Belgique, c'est une bonne réponse. Ça, c'était certain. C'est certain. Écurie en B, bon, il y avait Benetton. Benetton, bien sûr. Benetton et en Pullman, bon, il y en avait plein. Il y avait Barrichello, il y avait Newton. Button. Ah oui, carrément en plus. Ce qui vous fait un total très honorable de 3 points. C'est déjà 3 points. C'est déjà 3 points. C'est quand même le plus petit score depuis qu'on fait ce jeu, mais c'est pas 0. C'est pas 0. Oui. Merci à Biggs d'avoir participé. C'était pour vous faire un petit peu rire et tout. Mais c'était bien. C'était bien. Bah voilà, bah merci et puis bonne chance pour la suite du championnat. Merci, vous aussi. Merci. Nous, on roule pas. Hein. On est complètement. On est journalistes. On fait quand même un championnat. C'est vrai. Bon, Kéos qui dit qu'il était nul à chier. Oh, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Quelle méchanceté c'était. Quelle méchanceté. On va poursuivre tout de suite avec une compétition internationale qui a un peu marqué le forum, c'est la Champions League. Mmh. Olivier Brognard, vous étiez au cœur de cet événement. Ah oui, au cœur, aux commentaires, dans la bagnole, c'était un grand moment. Ça remonte à combien maintenant? 3 ans, hein? Ouais. Ça remonte à beaucoup. À mon avis, ça remonte à, oh, peut-être juste 2 ans quand même, 2 ans et demi, comme ça. Un grand moment, cette Champions League organisée par un forum aujourd'hui disparu, F1 Setup Blog, des amis allemands. La compétition était simple, hein, un petit peu comme le vrai format de la Champions League. Hein. Il y avait environ 16 forums venus de différents pays, hein, Allemagne, Angleterre, Pologne, notamment Italie, Espagne et France. Et ben la Simu a fait mieux que se défendre puisque on a tout simplement remporté cette compétition sur la finale en 2 manches là avec une très bonne performance d'Aurélien et d'Adeo à Suzuka et en Belgique bien sûr il y avait Aaron qui avait participé à la dernière manche et l'avant-dernière je sais plus qui était le troisième pilote Simu qui était là, ça ne me revient pas, je sais pas si vous en souvenez Jean-Lim, c'est dommage qu'on oublie. Je ne me souviens pas, je vais peut-être regardez. Je sais qu'Aaron avait remplacé quelqu'un qui devait venir et qui finalement nous a posé un lapin au tout dernier moment, 2 heures avant la course. Et Aaron, grâce à ses points, a permis à tout le forum de remporter cette compétition internationale, la seule à laquelle on ait vraiment participé, vraiment grande compétition. Et donc c'est quand même une grande fierté de l'avoir gagné. Et ça reste le grand moment. Ouais, ça va les pilotes en finale. Ouais, c'est pas mal. Écoutez. Celui qui a fait le poste est tellement intelligent qu'il n'a pas mis la photo des résultats. Ah ouais. Bon, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, en tout cas, oui, ça c'est... Putain, j'ai sur le bout de la langue, j'arrive pas à retrouver qui c'est. Hein. Il me semble que ça s'est joué à 1 point. Ah, ça s'est joué à pas beaucoup. J'aurais dit un peu plus, mais franchement très très peu. Et ça avait très très mal démarré, puisqu'on se souvient qu'Aaron avait eu quelques problèmes au début, puis surtout à Léo,
qui partait cinquième ou quatrième, je crois, qui s'était retrouvé dehors au premier tour, puis une nouvelle fois dehors au deuxième tour, et qui avait 20 secondes de retard sur la tête de course au troisième. On était en 50% en plus. Ça avait fait une course de malade pour remonter en cinquième position. On se souvient du dernier dépassement, le plus important, sur un Italien, pour la cinquième place. Et c'est ce dépassement qui offre le titre, puisque si les positions étaient restées en état, c'est l'Italian Team, bien sûr, nos amis italiens, qui auraient remporté la compétition. Fargas se demande si ce serait pas Rafa. Ah. Eh. Il a peut-être raison, notre ami Fargas. Il a peut-être raison. C'est peut-être bien notre ami Rafa qui nous aurait planté ce petit lapin là. Ah non, mais au final. Ah, qui était présent pour la troisième, pour la course de Suzuka. Peut-être. 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 Franchement, je n'arrive plus à me souvenir. Et ça avait été une course rocambolesque, hein, à Suzuka. Puisqu'on se souvient que, Je crois que c'est Rafa. Aurélien avait très mal géré la pluie, en fait. Il avait mis les pneus secs alors qu'il pleuvait encore. C'était un truc de pluie. Tel Gaël qui fait un trou dans le béton. Ouais. Allez-y. Ils se foutent de votre cri, là. À moi? Vous avez fait un cri un peu bizarre. Ah bon? Oh bah, ça, c'est normal. Je m'en souviens même. Alors, avant de faire le 80 secondes d'eau claire, voilà, qui faisait son mariole il y a quelques secondes, on va faire le pour ou contre. Pour ou contre qui, aujourd'hui, se concentre sur les championnats autres que sur sur d'autres jeux de sport auto. Il y a le championnat Projet 15 qui va reprendre en mars. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Parce qu'on sait que, voilà, pour certains, c'est pas facile de s'adapter à deux jeux. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre des championnats sur d'autres jeux de sport auto que sur F1? Greg Ferro. Moi, je suis pour, car de pouvoir participer à d'autres championnats autres que la Formule 1 peut montrer d'autres talents du pilote. Et ça permet aussi de continuer à rester actif pour l'entraînement. Donc, pour moi, je suis pour. Oui, parce qu'on sait qu'il y a Projet 15, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je crois, c'est tout comme ça qui va tout sortir. Il y a WRC, enfin, il y a plein de jeux, même des jeux de moto. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il y a énormément de jeux. Les joueurs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense, bien sûr, je suis pour, hein. Je suis pour. À partir du moment, quand même, attention à ne pas non plus diversifier trop. Parce que si on fait 50 trucs en même temps, on se retrouve avec des catégories à 3 pilotes par-ci, 3 pilotes par-là, etc., etc. Déjà là, on voit les dangers, hein, c'est-à-dire que Project Cars est ouvert. Malheureusement, on aimerait avoir un peu plus de monde. Bon, si on est 10, ça va. Des fois, on est un peu en dessous, et c'est un peu dommage. Mais je pense que c'est nécessaire, par contre, de le faire, parce que du jour au lendemain, on sait jamais, hein, F1, Codemaster peut arrêter de les faire, ou le jeu peut être tellement à chier, cette année, on est quand même à la limite, que ça ne vaut plus le coup d'y jouer, et que c'est intéressant d'aller ailleurs. Donc, je trouve ça bien d'avoir... au moins, entre guillemets, une roue de secours, quoi. Être performant sur un jeu et sur l'autre, et au final, ça apporte beaucoup de diversité, parce que Project Cars, et sûrement Assetto Corsa, et ce qui peut venir aussi ailleurs, ça apporte un autre style de jeu, un autre gameplay, d'autres challenges, et des pilotes qui sont pas très bons sur F1 peuvent être bons sur Project Cars et vice versa. Donc je pense qu'il faut être très ouvert là-dessus et proposer le maximum de contenu aux pilotes. C'est d'ailleurs ce que disent les gens sur le chat. Ce qu'il dit, ça permet un peu de diversité, ça change de la F1. Mais c'est dur de gérer deux championnats et deux types de véhicules différents. Parce que oui, Project Cars, c'est quand même une conduite totalement différente. Totalement. Et quand on a un championnat déjà qui dure quand même assez longtemps, le championnat F1, il dure combien de temps? Championnat F1? Il dure du mois d'octobre au mois de juillet cette année, alors. Donc c'est quand même assez compliqué de faire deux championnats. Sachant que déjà le championnat F1 nous prend toute l'année pratiquement. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de combler les vides, puisque comme vous l'avez dit, le championnat est très long cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a des énormes pauses, donc c'est bien de mettre d'autres compétitions pendant ces pauses-là. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué de faire la transition d'un jeu à l'autre. Il y a des pilotes qui ont des soucis avec ça, et qui ne veulent pas prendre le risque de perdre leur repère, hein, sur F1, qui reste la compétition numéro 1. Et c'est très bien, hein, ça s'appelle F1 Simu, c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est le petit problème qu'on peut rencontrer, hein, c'est l'adaptation d'un jeu à l'autre qui empêche certains pilotes de s'investir à 100%. Alors, on a aussi une remarque de William qui dit que il faudrait que tout le monde s'implique, sinon ça crée trop d'écart de performance. Ouais, si les gens ne jouent que sur un seul jeu, c'est aussi le risque et qu'on peut apercevoir dans le monde pour lancer nos projets de 15. Eh oui, on a vu ceux qui étaient motivés et ceux qui
qui sont aussi motivés, mais William a très bien fait de dire ce mot-là, c'est impliqué. On peut être motivé, mais si on n'est pas impliqué à 100%, si on prend pas le temps de faire une, deux, trois séances d'entraînement, eh ben, on apprend le soir de la course, on finit par bien rouler pour les 10 derniers tours, mais bon, ben, le mal est fait, la course, on l'a fait tout seul derrière. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a aussi une histoire d'emploi du temps, hein. On n'a pas tous le temps de s'entraîner comme on voudrait, autant de temps qu'on veut sur les circuits. Et c'est vrai que c'est là que c'est dommage, c'est qu'il peut y avoir vraiment des catégories à deux vitesses. Quoi. Alors ok, en tant que pilote, est-ce que vous préférez un seul jeu ou est-ce que vous aimeriez jouer par exemple sur deux championnats pour avoir deux types de conduite? Deux championnats, ça risque d'être assez chaud quand même, mais sinon plusieurs jeux, ouais, ça peut le faire, mais faut plusieurs pilotes. Faut plusieurs pilotes et puis... Faut oublier aussi que chaque pilote a sa petite vie derrière, donc c'est compliqué des fois de trouver le temps pour jouer ces championnats. Donc mais sinon, ouais, ça pourrait être une bonne idée de faire plusieurs championnats. Et aussi ce qu'on s'est dit cet après-midi avec les Bonheurs, c'est qu'il faudrait peut-être recruter que des personnes ne jouant qu'à un seul championnat. Mais ça c'est sûr. Je pense qu'on arrive à un point. Où cumuler deux championnats à 100%, c'est vraiment très 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 difficile. C'est rare de pouvoir le faire. Hein. On voit par exemple un Aurélien à le niveau pour être bon sur le terrain, mais il n'a juste pas le temps, c'est pas possible. Il est étudiant, il sort beaucoup, c'est la fête chez Aurélien. Et ben voilà, il peut pas consacrer un troisième soir, surtout qu'il fait le championnat de France plus la FNCU. Il peut pas passer plus de temps sur des compétitions. Et là, c'est vrai que il se pose le problème de si on cherchait peut-être à recruter des joueurs 100% projet de 15, on aurait peut-être un championnat qui serait extrêmement intéressant. C'est peut-être la voie à suivre. Après, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le réseau qui est développé sur projet de 15, donc c'est pas évident pour recruter les bonnes personnes. Ouais, surtout que cette année, le calendrier est très chargé avec le championnat de France. Ouais. Et avec le championnat F1, ça fait deux courses deux jours de suite. Après, les gens ont peut-être un peu marre aussi. C'est pour ça que c'est obligatoire de mettre cette compétition de toute manière les semaines où il n'y a pas championnat F1. Sinon, c'est sûr que c'est impossible de consacrer un soir de plus. On va donc passer maintenant aux 90 secondes de l'invité, notre ami Auclair, qui faisait son malin en Geeks passé. Il va donc se mettre aux 90 secondes chrono. Ouais. Le record à battre, c'est 7 points, c'est Greg Febro. Et le plus petit score, c'est Geeks, qui a été fait il y a quelques instants. Et le brognard? Ouais. La roue des lettres. La roue des lettres. Il adore cette roue. Eh ben, on va pas la tourner beaucoup dans l'hymne, puisqu'on va aller sur la lettre suivante, le C. Oh, C comme deux choses qu'il est gâché, Louis. Oh, c'est pas vrai. Excellent. Excellent. Tout ça, est-ce que vous êtes prêts? Oh oui. Rapprochez-vous du micro, Claire. Je sens le zéro point arriver. Mais non, il va être très bon. Attention, c'est parti. Un motoriste en C. Qui a existé, hein, pas forcément aujourd'hui. Ouais, j'ai repensé à Chevrolet. On peut tenter, on verra bien. On va tenter. Un sponsor en C. Ouh là là, ça sent mauvais cette histoire. Allez-y. Alors, je sais pas. Vous pouvez passer, hein. Il passe. Le mec, il passe. Un élément des circuits en C, un objet. Alors, caméra. L'élément de la voiture. Et le châssis. Un site web de F1. Le quoi? Site web de F1. Un site internet. Challenge F1, je crois que ça dit quelque chose. Un nom de virage en C. Cops, en Angleterre. Pays ayant accueilli la F1 en C. Chine. Écurie en C. Cooper Climax. Quoi? Écrivez ça parce que je ne sais pas du tout. Et pour qui dans les années 50? Un oui. Polman en C. Je veux pas de
Ouais, je sais pas, c'est. Eh ben, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Il ne sait pas, alors on va revenir sur. Alors, c'était une lettre assez simple. Hein. Oui, oui, oui. Et pourtant. Alors, excusez, et que la lettre était déjà tombée cette année. Ah, ça, je ne savais plus. Ben, je ne sais pas. Donc, un motoriste, on sait. C'était. Alors, il a dit Chevrolet, mais je ne pense pas. Plus... Moi j'aurais dit Cosworth bien sûr, mais Chevrolet, je sais pas s'ils ont déjà motorisé une F1. Hein. Je pense pas. Je pense pas non plus. Sur le chat, dites-nous hein, si c'est possible. Ouais, si vous avez une idée, si vous pouvez faire des recherches en parallèle aussi. Moi je tape un petit peu, j'ai aucune mention de cela. Écoutez, ce sera un zéro. Alors, sponsor en série, il n'a rien dit. Il y avait Casio, sponsor en série. Ah, bien vu, bien vu. Moi j'avais pensé à Camel, les marques de cigarettes, mais évidemment ça a disparu, mais je pense qu'à une époque ils ont dû sponsoriser une F1. Ouais. Alors Fargas qui dit Chevrolet en F1 de. D'accord. C'est pas facile de faire raisonner. Ouais, bah excusez. Hein. Donc le sponsor il l'a pas trouvé, hein, c'est ça? Il l'a pas trouvé. Il n'a pas. Élément d'un circuit en C. Il a dit une caméra. C'est une très bonne idée. Alors que Pinot dit que Chevrolet c'est peut-être possible. Ouais. On attend, si quelqu'un nous trouve la réponse avant la fin de l'émission, hein, on a tout le temps pour rajouter le point s'il faut. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Bah écoutez, on verra. J'ai foutu la merde, j'ai un peu. Non, y a pas de problème. Ils sont tous en train de s'engueuler, là. Alors, élément de la voiture, il a dit châssis, c'est bon. Il aurait pu aussi dire caméra. Je pensais qu'il allait enchaîner sur la... Ou mon kissit. Oui. Parce que j'aime bien son, c'est pour ça. Ouais. Site web de F1, Challenge F1, bien évidemment, d'ailleurs, partenaire des F1 Simu. Alors, c'est un jeu, mais c'est un jeu sur la F1, je pense qu'on peut largement l'accepter. C'est un jeu sur F1, partenaire des F1 Simu. Partenaire. Eh oui. Tout à fait. On salue. Très bon jeu, d'ailleurs, si vous voulez y aller. Ouais, très sympa. En 3 saisons, enfin 3 ans, vous pouvez être dans la première division. En 3 saisons. Ça fait peur, hein, mais bon. nom de virage, COPS, ça je me rappelle, c'est bon. Très bon ça, bah, bien joué. Pays en queue de F1 Chine, c'est bon aussi. Très bien joué aussi. Et écurie par contre là, je sais pas ce qu'il nous a J'ai sorti. Entendu Cooper Climax. Cooper dans les années 50, ouais. Alors attendez, Cooper. Ça existait. Ça existait? Oui, Cooper, ça existait. Oh joli! Bah bravo, ouais. Moi je ne savais pas. Ah, mais avec ouais. Atera, il y avait beaucoup plus. Hein. Ouais, bah j'ai pas vu. Bravo. Et pour revenir sur. Pour revenir sur le moteur, il y avait le CTA Arsenal en 1946. Oh putain. Ouais. Et c'est un moteur de quelle marque? Le centre d'études techniques de l'automobile. C'est quoi ce moteur? Le Wikipédia. Oh putain. Bah écoutez, je pense que ça existe. Ça ouais. C'était un moteur V8 hein, quand même. Bien sûr. Alors, on nous dit que Chevrolet existait, donc on va accepter. Hein. Ah ouais? Ah bah dedans. Et Paul Mann, bon, il y avait Coulthard. Ah, il y avait David Coulthard, bien sûr. J'y ai pensé après. Bien sûr. Et Jim Clark, peut-être aussi. Ouais, il est sur la fin. Ils ne savent pas sur le chat. Ils sont tous en train de se taper dessus. En 91, il mort Chevrolet Vectis. Ah. Ah bah voilà, je le savais. Bon bah ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour notre ami Auclair. C'est juste derrière. Ah, attendez, c'est pas 7 plutôt? Moi j'ai le mot. Ah oui, 7, pardon. Eh oui, 7 points. Mais notre ami Auclair. Qui fait record. Qui est tombé sur une lettre qui est déjà tombée, mais on se rappelle plus. Non. Donc qui fait le. Qui égale le meilleur score de Greg Febron. Bravo. Merci. D'ailleurs, je rappelle que un auditeur fera le 90 secondes chrono dans quelques instants. Ah, ça c'est bon ça! Donc faites les malins là, sur le chat, à dire que c'était facile. Voilà. Face à la responsabilité. Le mec est... Comme au bac. Le mec est en fond, quoi. On va revenir sur un troisième moment fort du forum, ce sont les autres championnats. Donc on va parler du championnat GP2 et GP3. Olivier Brognard, on va parler du championnat GP2 avec vous, parce que GP3 c'est Greg Febron, spécialiste Renault, et GP3 également. GP2, Olivier Brognard, on a vu des saisons un peu en dents de scie, parce que je me rappelle d'une saison où il n'y avait que 4 pilotes à la fin. Ouais. Et des saisons assez sympathiques à regarder. Il y a eu un peu de tout.
GP2, comme toutes les catégories, la première saison est pas facile à lancer. Hein. Ça, c'est très clair. On se souvient, la première, c'était un fiasco quand même un peu terrible. C'est-à-dire qu'il y a eu une première partie de saison et elle s'est arrêtée, je crois, pour reprendre 3 mois après. Quoi, hein. C'était une histoire comme ça, quand même. Où ils ont fait juste l'Australie et après, ils ont repris à Montréal pour suivre la F1 et ils ont fini par les Grands Prix de Malaisie, Espagne, etc. etc. C'était assez incroyable. Et on a eu aussi, bah, bien sûr, cette fin de saison là, où Gabin et Aaron jouaient le titre, et puis Gabin a arrêté à 4 courses de la fin. Et Aaron aurait pu être champion, il lui suffisait de gagner les 3 dernières, mais vu le rythme qu'il avait, il les aurait gagnées. Et il a fait exprès bah, de ne pas venir pour laisser le titre à Gabin. C'était un geste très sympa d'ailleurs, je sais pas pourquoi il l'a fait, je trouve que le vent, c'est bizarre. Et après, depuis, maintenant, c'est vrai que le GP2 est quand même beaucoup plus calé, et je trouve que cette année, le GP2 est vraiment très très proche de la F1 en termes de respect de la piste, de professionnalisme, de rythme aussi. Le GP2 a vraiment bien évolué. On peut dire que cette année, on a vraiment 25 pilotes qui sont de très très haut niveau. Oui, cette année, c'est peut-être l'un des plus beaux championnats. Ah, il est très très beau le championnat GP2. Et il va y avoir une belle bataille pour le titre avec la victoire de William la semaine dernière. CCJ et Matouf qui ont un gros niveau, Giggs aussi évidemment, Sturmix qui a fait son podium au Canada, un petit peu plus en difficulté en Autriche, mais clairement il y a vraiment un très très gros niveau, c'est vraiment sympa à regarder. Allez. Oui, non, c'est ce que je dis là, tout le monde veut que Keops fasse le 87 Pro, mais lui, il n'a pas le logiciel, il ne peut pas l'installer. Ah, Keops, il est génial ce mec. Commissaire F1 et GP2, Keops. D'ailleurs, Keops, si tu nous entends, faut faire le rapport des commissaires F1. on va parler du championnat GP3 avec Greg Febro, spécialiste GP3. Ah. D'ailleurs, le championnat GP3 qui a commencé vendredi, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. La première course de la troisième saison de GP3 avait lieu donc vendredi. En Australie. Ouais, bon, de rire. Tu l'entends rigoler en même temps qu'il parle, c'est pas pourquoi. Allez-y. il a un blocage là, il a un fou rire, le gars. Dans cette troisième saison, on a vu le retour de Christopher, champion lors de la première saison. L'arrivée de Sport Folk, le frère de Toro Rosso, et d'autres pilotes comme le vainqueur sortant qui ont arrêté la compétition. Donc Christopher, pour son retour, a signé la pole position devant Magic Drake et Tonio, pilote Williams. Le frère de Toro Rosso était donc quatrième pour ses débuts, bon début, chez Red Bull. Et la course, Christopher était parti devant, mais avec un arrêt au stand de plus que Tonio. Du coup, il finit deuxième, 21 secondes derrière Tonio qui remporte sa première course avec Williams dans ce championnat. Et Magic Drake qui complète ce podium. Ce qui fait que c'est Williams qui mène ce championnat après cette première course. Sachant que Christopher étant chez Mercedes, il était seul de l'équipe car Claire n'était pas présent pour cette première course. Et ah oui. Merci Greg Febro, qui était mort de rire, mais c'est pas grave, il est professionnel, il a continué. Greg, je voulais aussi vous demander les autres championnats, GP3, on voit beaucoup de pilotes F1 qui viennent maintenant de ces catégories, et c'est un peu un centre de formation. Et oui, le GP3, et cette année c'est un petit peu ça aussi, parce que comme il démarre en cours de saison, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, mais on y met tout ce qu'on y trouve. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du niveau quasiment F1, hein, avec Stormix qui va avoir un gros niveau, Christopher qui roule très très vite. Puis il y a du niveau GP3, bah, le vrai GP3, quoi, sans être méchant non plus, avec Keops qui est un petit peu plus en difficulté, etc. Et c'est vrai qu'on a vu des pilotes qui sont montés de GP3 à GP2 puis F1, des fois GP3 à F1 tout court, je pense. Il y a Toro Rosso qui aurait pu être un très grand pilote F1, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas poursuivi, hein, parce qu'on se rappelle qu'il avait été très très fort en GP3. Je sais pas trop après qui est passé en GP3, j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Mais en GP2, de toute manière, il y a eu beaucoup de monde. Alors GP2, c'est le centre de formation pour la F1, très clairement.
puisque William nous écoute, il va être content d'apprendre que bah il est formé, ça y est, William a été parfaitement formé par le GP2. Et sauf catastrophe, je vois pas comment il peut louper la fin l'année prochaine, puisqu'il aura quand même 40 crampés au compteur. Mais voilà, le GP2 a sorti des pilotes comme Aaron, comme j'en sais rien en fait, mais beaucoup de monde en fait, tout le monde vient de là-bas quasiment, hein, parce que bon, à part les gens qui arrivent sur d'autres forums comme Pargas, Mod Street, qui ont déjà le niveau F1, sinon c'est très très difficile d'être au niveau de la première année, et le GP2 sert à ça. Regardez Tommy, l'année dernière, n'était pas forcément prêt à rouler en F1, il était en difficulté, le GP2 lui a permis de prendre confiance, de gagner des courses, de faire des podiums, et cette année, il fait un début de saison beaucoup plus honorable. Non, ils disent sur le chat, ils disent tous, tu as un bonheur ta face, William. C'est bien sûr pas méchant, mais c'est vrai, il est prêt maintenant. Regardez cette victoire en Autriche, regardez la Gazette des Temps. mais c'est très bien, c'est très bien, tout le monde veut accéder à la F1. Et je trouve que je lui fais un compliment en lui disant ça, c'est pas méchant, voyez. Et lui, il ne pense qu'il est toujours pas prêt. Bah, il est prêt, bordel! Il fait 60 détours sans faire d'erreur! Oh! C'est pas... Non, mais, ce qu'il faut savoir, Jean-Libre, c'est que, à l'heure actuelle, si on considère qu'on a le niveau F1 quand on peut gagner un Grand Prix F1, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a très peu dans le groupe F1 qui peuvent prétendre gagner, parce que, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas méchant, hein, vraiment, mais il faut le dire. Aujourd'hui, sauf accident grave, il y a des pilotes qui ne peuvent pas gagner en F1. Et c'est pas méchant pour eux, mais on pense par exemple à Delmas qui est un petit peu en difficulté, à Herlock qui a du mal à se faire avec le nouveau jeu. Et il y en a à Tommy, bien sûr, et il y en a d'autres. Et pourtant, ils ont le niveau F1. Donc William, s'il va en F1 aujourd'hui, on a regardé justement son chrono, il a fait 27 secondes de plus en Autriche. Que le leader de F1, il aurait été cinquième. Cinquième, c'est le niveau F1. Il n'y a aucun scandale à le dire. Certes, il aurait peut-être pas gagné, mais cinquième, c'est bien. Vous êtes en train de vous faire des ennemis sur le chat, là. Oh non, mais oui, je savais que j'aurais peut-être pas dû rentrer sur ce terrain, mais bon. Non, mais voilà, c'est pour dire, et le gars va encore s'enfoncer un petit peu, c'est pour dire que, qu'on ne peut pas forcément gagner. Ça, c'est la réalité. Et on peut aussi le gagner, hein. Ça, c'était mythique. Non, mais je veux dire. Écoutez, au moment de gêne, on va s'arrêter. Hein. Ah non, mais voilà, vous avez. Je sens qu'on a le pilote du mois annoncé. Ah oui, oui. Le pilote du mois. Alors, le pilote du mois. Est-ce qu'on a fait une petite animation? On a, je peux pas parler d'animation, on a une photo qui va arriver en plein milieu de votre gueule, ça dépend. Ce qui est marrant, c'est que celui qui va recevoir ce trophée ne pourra même pas le voir sur le live. Et non, il ne pourra pas le voir sur le live. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'en cabine, là, à l'instant, on ne voit pas ce qui se passe, à part moi, bien sûr, qui réalise, mais vous, là, Jean-Luc, vous ne le voyez pas. Non, c'est moi le vois. Ouais, mais peut-être qu'Auclair, il ne le voit pas. Vous le voyez, vous? Au clair, et le pilote du mois, voilà. Eh ben voilà. Au clair, pilote du mois de janvier, bravo. C'est un. Une réaction tout de suite en direct. Sérieux? le gars n'en croit pas ses yeux. Au clair, pilote du mois de janvier. Oh bah merci. Oh le mec! Un petit discours. Le discours, pardon. Ouais, j'ai pas gagné le titre, non. Mais je sais pas si je le vaux vraiment. Je voudrais remercier ma famille, mes amis, mes chats, et puis non, sans déconner. Non, mais j'y crois pas, non, mais sérieux, je suis pire du mois. Est-ce qu'on a déjà rigolé ici? Non, jamais. Est-ce qu'on a fait des animations pour du beurre? Vu le temps que ça nous prend. Je sais pas si on aura ça. Ouais, alors là, franchement, hein, vu le mal que je me suis donné. Ouais, le gars, c'est ça. Comment? Ah oui, allô. Allez. Oh ah oui, alors. FR. T34 est ici pour une bonne raison. Ah. Ah, bonsoir. Attendez, madame, messieurs. Vous appelez comment? Si, Benjamin. C'est
Benjamin Müller. Personne n'a jamais rigolé. Hein. Comment ? Bon, personne n'a jamais rigolé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh mon Dieu. T34, t'es là pour quelque chose. Oui, Ronia ? Oui. Je viens défendre les enfants malades. La merde alors. Je vais vous lire la route des lettres. Oh, c'est reparti. Ah bah, on va prendre le S. Le S. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent de nous rejoindre, des catégories, et T34 va devoir commencer les mots par la lettre S. Ça, bien évidemment, en rapport avec la F1, bien évidemment. Et dedans, en fait, cette émission live, c'est 90 secondes chrono général, quoi. On passe sur toutes les 5 minutes, on est dans le jeu, quoi. Non, mais c'est le dernier, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes pas, si vous n'êtes pas content. Ah, ça me plaît, moi. Pas les autres. Si j'ai bien compris, je dois me servir de la lettre S pour faire des mots en S avec un rapport avec la F1, c'est ça? Exact, et je vais vous donner des catégories. Il a une belle voix. Ah, formidable. Il a une très belle voix. Oui. Vous l'avez, je le sais, merci. Attention, c'est parti. Un motoriste en S. Pas facile. C'est sérieux, Didier. Un sponsor en S. On va regarder ça après. Un sponsor. Santander. Un élément d'un circuit. Ça peut être un objet. S de Sénat. Élément de la voiture en S. Sortie d'échappement. Ça compte. Ça tout à l'heure. Un site web de F1 en S. Stat F1. Un nom de virage en S. Je l'ai déjà dit, mais S de Sénat, lui. Pays ayant accueilli la F1. S. Saint-Marin. Écurie en S. Scuderia Colony. Toujours compliqué. Coleman en S. Pardon, Coleman, pardon. Un Coleman, si vous voulez. C'est. Ah, circuit en S. Saxon Ring. Le chien d'ordi. Un directeur d'équipe en S. Un directeur d'équipe en S, mais qu'est-ce qu'il m'embête? Directeur d'équipe en S. Je passe. Un journaliste F1 en S. Je passe. Et une personne du forum? Une personne du forum, S. Spork Falk. Allez, c'est enfin, Spark. Je crois que Greg Ferro qui est mort de là, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas ce qu'il va aller. Qu'est-ce qui vous arrive? N'importe quoi. On est professionnel, je ne sais pas pourquoi. Allez, on reviendra le voir après. On ira le voir après parce que là il est en train de faire une crise, je ne sais pas ce qu'il a. Au niveau des réponses, en S, un motoriste, est-ce que ça existe? Pouf, je ne sais pas du tout. Supertech, moteur Supertech. Bien joué, bravo. Évidemment, les moteurs Supertech. Voilà, donc c'est un point déjà perdu, voilà. Mais je crois que Greg Ferro va se faire battre, hein. Il y a beaucoup de réponses. Ouais, il y en a beaucoup. Un sponsor en S, Santander, c'est bon. Mm-hmm. Élément d'un circuit. Il a dit le S de Sénat. Bah, c'est un virage. Mais... C'est litigieux. Écoutez, hein. Je laisse la responsabilité aux gens du chat, parce que le S de Sénat, c'est un élément d'un circuit. Mm. Moi j'aurais dit non, c'est pas dans l'esprit de la question. Ah, sans vouloir faire pencher la balance, je suis monsieur F. Je suis quelqu'un de très comique, alors validez-moi le point, s'il vous plaît. Oh, mais l'autre le mec. Mais combien écoutez, on verra. On va voir ce que dit le chat. Élément de la voiture en S, il a dit. La sortie d'échappement. J'ai envie de dire oui. Oui, allez. Moi, je pense que moi, oui. Moi, je pense. Site web de F1. Il a dit. Stat F1. Stat F1, ça existe, hein, je vous connais. D'accord, donc on valide, pas de problème. StatF1.com. Nom de virage en S. Bon, S de Sénat, aucun problème. S de Sénat. Voilà, pas de problème.
Par contre, je suis désolé sur le chat, ils veulent tous votre mort, c'est non. Ah oui, mais ça, c'était certain. C'était chiant. Ah, clairement, c'est un scandale. Franchement, je suis... Bah oui, mais... Excusez-moi, c'était... j'avais la pression, voyez-vous. Ce que j'aime bien chez D34, c'est que peu importe son émotion, il a toujours la même voix. Il a toujours le même. C'est incroyable. Pays incolé à F1, il a dit Saint-Marin, c'est très bien. Il a dit Saint-Marin, il a raison, c'est un micro-état de 33 000 habitants. C'est un petit mot là. Ouais. Écurie. Il a dit. Scuderia Coloni. Scuderia Coloni. Oui, Scuderia. Toujours la complication. Ouais. Quitte à dire Scuderia, il y en a une autre, quand même. Mais... C'est bon, ça a une expérience. Ah oui, Scuderia Ferrari. Scuderia Minardi. Exactement. Aussi. Un Paul Manon, est-ce qu'il a dit Senna. Senna, bien Senna. Sûr. Bon, je pense, hein. Je connais pas la personne, mais je pense. Sergio Pérez. Ah oui, Saxo Ring, Saxo Bank. Saxo Ring. Ben, Silverstone, c'est le plus simple. Oui, mais toujours la complication avec les 34. Attendez, Saxo Ring, j'ai pas, moi. Non, Saxon Ring. Saxon. C'est en Allemagne, c'est ça? Je crois, mais je suis pas sûr qu'il ait été en Italie. Ah, c'était en Allemagne. Oui, mais en même temps, vous cherchez compliqué aussi. Ben, Silverstone, c'est le plus simple. C'est lui qui dit ça. Attendez, mais même Saxon Ring, hein. Non, il est en moto, mais pas en iPhone. Ouais, c'était Saxon Ring. Ouais, merde, voilà, hein. Écrivez-le. Directeur d'équipe en S. Il n'y a pas dit, mais est-ce qu'il y en avait pas? Ah oui, forcément. Il y avait Stefano Domenicali. Ah, bien vu. Ah, ah oui, mais c'est le prénom. C'est le prénom. Et alors? Ouais, ça, pareil, souci. Ah, mais dans ce cas-là, je réponds pour Sandy Cazard à la question, je sais pas. Qui se te bête? C'est un cyclo. Je comprends pas ce qui se passe. Donc, Sandy Cazard, ancien cycliste de la FDJ. Exact. On ne l'oublie pas. Ouais. Nous n'allons pas l'oublier. Journaliste FRS. Thomas Sénégal. Thomas Sénégal. Bien vu. Tommy qui dit anecdotiquement. C'est ce qu'a écrit Tommy. Peter Sénégal. Pour le directeur du rallye. C'est du rallye. Ah oui. On est en train de commencer à recevoir des vannes là où il veut revenir. Est-ce personne du forum il a dit? Il a dit Spark. Spark, son coéquipier. Spark. Ouais, son coéquipier en GP3. Mais pas mal, je crois. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'en ai... C'est battu! J'en ai 9 moi. Ah, mais je sais que c'est pas. Ah, formidable. J'en ai 8. Attends, il avait pas question. Eh si, il a le sponsor, la sortie d'échappement, le site, le virage, le pays, l'écurie, le poleman, le circuit. Enfin, je crois que c'est bon. Hein. Mais non, le circuit, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, bah si. Ah, oui, le circuit, alors. C'est pas bon. Ah, autant pour moi. Ah oui, mais j'ai dit Silverstone, vous avez compris Saxon Ring. N'importe quoi. Ah bah 8 alors, 8 c'est pas mal. 8 points, Oui, donc le record, c'est quand même Fargas avec 11 points. Ah oui, ça c'était énorme. Mais c'est le record de la saison pour notre ami T34, bravo. Bravo. Merci. Enfin, vous passez devant Greg. Et devant Giggs aussi. Et je précise que je suis arrivé sans aucune préparation, je suis arrivé sur le tas. Voilà. Exactement. Formidable. Merci pour cette anecdote. Incroyable. Merci T34 d'avoir été avec nous. Et merci pour le GP. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur Brognard, monsieur Fébro, monsieur Lib, et le quatrième membre que je ne vois pas parce que ce Skype ne m'oblige pas. Kips. Tom Exorles. Ah, formidable. Alors, messieurs. Je ne vous connais pas. Donc voilà. Bonsoir, FR. Oui, au revoir. L'équipe est toujours pas. T34 est venu, T34 a vaincu. Quel plaisir de l'entendre. Hein. Écoutez, c'est un personnage magnifique. C'est un personnage, ça c'est clair. Personnage magnifique. On va passer à... Il n'y aura plus de 90 chronos pour aujourd'hui. Oui, Rognard l'a demandé. Mais non. On va passer
au Grand Prix de Belgique à la saison 5, qui était sans doute la plus belle course du Forum, course que vous pouvez retrouver sur F1 Simu Télé. Olivier Brognard, il y a tout eu dans cette course. Il y a eu la pluie, il y a eu des dépassements, des accidents et des images magnifiques. C'était vraiment la plus belle course. Ça l'était. Mais en préambule, quand même, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps de celle-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque événement, on parle de saison 5 Belgique, non? Je ne sais pas, mais en même temps, c'est... Ah bah, retournons-y encore. Alors, bah, bon, essayons de faire marcher un peu la mémoire. C'était un très beau Grand Prix, ça vous l'avez dit. Beaucoup de suspense, des prétendants à la victoire qui habituellement n'y étaient pas. On pense à Dicker, qui a réalisé ce jour-là la course de sa vie, hein, si je ne me trompe pas. Il a fait quatrième, je crois. Et bah, le début de course a été extraordinaire, hein, tout simplement. Et, un groupe de 6-8 pilotes, même, je crois, qui se suivaient en file indienne, hein, et même pas souvent, régulièrement, à deux de front, les uns derrière les autres, quoi. C'était incroyable. Et ça a continué. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que au premier pit stop, ça s'arrête en général, les écarts commencent à se faire. Et là, ça a continué encore, jusqu'à arriver à la pluie. Et là, à la pluie, on est rentré dans une autre dimension encore, hein, avec l'accrochage entre Aurélien et Adéo, aileron cassé pour Aurélien, Adéo qui attend tout le tour avec lui. Et là, on se dit, la victoire va se jouer entre Dicker et je pense qu'il y avait Lip qui était dans le coup, il va y en avoir un ou deux autres. Et puis voilà, la remontée infernale des deux pilotes derrière, Aurélien, Adéo, et puis finalement ça s'est joué. Et ben à la fin, je crois que c'est Adéo qui a gagné ce Grand Prix. Et Aurélien a dû finir deuxième. Adéo devant Aurélien et Lip troisième. Voilà, et Dicker, qui a longtemps cru qu'il allait monter sur le podium, hein. Il a cru à la victoire aussi, bien sûr, pendant un long moment, puisqu'il y a eu vraiment la stratégie, hein. Il y avait des pneus pluie, il y en avait qui étaient en inter, et on ne savait pas si on pouvait passer l'essai, c'était de la folie. Et un Grand Prix complètement indécis, un bon gros accrochage, hein, deux ou trois même, mais aussi pas mal de batailles rudes, roue contre roue, sans grosses touchettes, enfin, c'était vraiment très intense, et ça fait plaisir de voir. Il a été voté, je crois, en F1 Simu d'or du plus beau Grand Prix, enfin, je pense. Oui, pour voler F1 Simu d'or en 2013, je crois. Ouais. Ou 2014, je ne sais plus. 2014, je ne sais plus. Ouais. Il y avait Rafa aussi. Vu qu'on en a parlé beaucoup, selon Olivier Brognard, on va passer tout de suite au cinquième moment fort, puisque voilà, on fête les 5 ans, 5 moments forts qui ont été choisis. C'est très récent, c'est la Cup Arena, voilà, qui est une nouvelle étape pour la Simu, ouais. Puisqu'ils se sont rencontrés certains en vrai. je suis en train de m'étrangler. Olivier Brognard, vous étiez sur place. Oui. Racontez-nous un petit peu cet événement qui a beaucoup fait évoluer le forum. Mais là, j'ai été un peu les yeux et les oreilles d'être un Simu TV sur place. Moins qu'on puisse dire, un événement assez incroyable, hein, ça c'est sûr. Qui s'est pas du tout déroulé comme prévu, en termes de compétition, hein, puisqu'il n'y a pas eu de sélection, on a été juste sélectionné à la fin. Et on n'a pas fait de course, finalement on a fait du contre-la-montre. Donc, on est très très loin de ce qui était prévu au départ, mais c'était un moment extraordinaire. Vous l'avez dit, l'occasion de se rencontrer entre pilotes de F1 Simu, on était quand même nombreux, hein, il me semble qu'on s'est rencontré à 5 ou 6 ou 7, je sais plus, très bien. Plus évidemment la team F1, hein, qu'on connaît depuis longtemps, on les salue. Et bien sûr, les pilotes qu'on connaît moins, d'Xbox et de PC. Donc, un moment très sympa, et une nouvelle fois, la Simu a bien tenu son rang. Dommage évidemment de ne pas avoir pu gagner cette compétition, même si on va pas faire les mauvais perdants, mais je pense très très sincèrement que le tour du vainqueur est pas du tout valide. Bon, mais on l'a pas revu et je pense qu'on le reverra pas, justement pour éviter cette polémique. Mais deuxième et troisième pour les deux représentants Simu, c'est quand même très très bien. Une nouvelle fois, une grosse performance. Donc on a montré encore de quoi la Simu était capable. Et elle se porte toujours aussi bien. Et c'était c'était le premier événement comme ça, sponsorisé, avec des gains, un petit public, un peu de médiatisation, quoi. Donc c'était quand même un gros pas pour le forum. Et est-ce qu'il y en aura d'autres, des événements comme ça, pour la suite? Est-ce que vous avez des infos? Dieu seul le sait, ça. Merci. ça a aussi permis un événement quand même assez incroyable. Julien Féro. On est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler pour les 5 ans. Il est avec... Non, je déconne, ça aurait été génial, ça. Imaginez un peu. Ouais, Julien Fébro, alors, il faut raconter un peu ce qui s'est passé quand même, parce que c'est vrai que ça s'est passé pas mal dans le secret, tout ça, mais... Il faut savoir, donc, notre ami Julien Fébro, en sortant de la Cup Arena,
légèrement passionné de jeux vidéo, hein, sans que ce soit non plus à l'excès, mais un petit peu, bah, se trouve qu'il n'avait pas de console à la maison et que bah, ça a été le gros défi qu'on a eu avec Aurélien, le convaincre que PlayStation était meilleur qu'Xbox. Alors ainsi, on a fait du bon boulot. J'espère que c'était mérité en tout cas. Mais voilà, donc Julien Fébro qui nous a fait confiance, on peut le dire clairement, et qui a créé son compte chez nous. Alors là, c'est quand même une fierté absolument énorme. Alors, c'est sûr qu'on risque pas de le voir tous les jours, loin de là, on avait pu nous en rendre compte déjà, et encore moins participer à un championnat, mais il fait partie des membres, on va dire, membres d'honneur du forum. C'est le premier, la première célébrité qu'on a sur le forum, donc c'est quand même super, et on est très fiers de l'avoir avec nous. Et donc ça prouve quand même que ces événements ont quand même un impact assez incroyable. Eh ben oui, parce que c'est sûr que déjà, ben voilà, il n'y aurait jamais eu cette rencontre possible dans la réalité, du coup, hein, s'il n'y avait pas eu cet événement qui a permis ce rapprochement, de pouvoir échanger sur notre passion commune, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, et s'il n'y avait pas eu cet événement, eh ben on aurait eu beaucoup de mal, on va dire, à la régulière, hein, à rentrer en contact et établir un véritable lien. C'est clair que ça, c'est du positif. On peut que espérer que ça va continuer, que ça va se reproduire, qu'il y aura d'autres événements comme ceci. Et pourquoi pas, faut toujours rêver, Jean-Libre, hein, pourquoi pas rêver d'avoir d'autres, peut-être des pilotes, n'importe quoi. On sait que un pilote comme Max Verstappen est inscrit chez un forum, justement, qui fait de la simulation et tout. Ça pourrait être très marrant un jour, enfin, plus que marrant d'avoir un vrai pilote, mais on n'en est pas encore là, mais évidemment, si ça continue de se développer, tout est possible. Un jour, je vous le promets, on fera la rencontre Greg Fébro, Julien Fébro. Ça arrivera, je vous le promets. J'allais dire quelque chose, mais je l'ai oublié. C'est assez embêtant. Oui, on va parler du championnat de France quand même rapidement, parce qu'on parle de la Cap Arena. Championnat de France, très rapidement, Aurélien va être champion. Aurélien champion, c'est acté. C'est acté, c'est déjà fait. C'est fait, on ramale. La deuxième place, par contre, va être indécise, hein, puisque pour l'instant tenue par Adeo, mais trois mauvais résultats d'affilée. Bino est en embuscade, Chronique aussi, Lib n'est pas très loin non plus. Donc voilà, très clairement, il y a de la compétition pour cette deuxième place. Après la première, Aurélien, il peut quasiment plus rien lui arriver déjà. Je crois qu'il a 160 points en cette course, c'est monstrueux, cette course. Alors on sait qu'il y a eu un gros débat autour de ça, mais est-ce que vous pensez que essayer de faire un championnat regroupant les meilleurs pilotes des forums est une bonne chose, ou est-ce que chaque forum doit garder son championnat? On rentre dans un débat philosophique qui pourrait nous prendre la nuit, Jean-Luc. Débutons. On va faire court. Non, je déconne, bien sûr, on va faire court. Je pense que dans l'esprit, c'est excellent. Hein. C'est comme tout simplement faire un championnat de Ligue 1 ou faire une Champions League. Hein. C'est toujours bien de pouvoir réunir les meilleurs. À côté de ça, je pense qu'il est indispensable de garder les forums avec leurs particularités, leurs affinités entre les membres. Et tout ça est encore un peu flou, hein, j'ai envie de dire, parce que on ne sait pas très bien encore qu'est-ce qui là-dedans est un club, qu'est-ce qui là-dedans est une fédération, machin, etc. C'est un peu flou et c'est peut-être un peu dangereux, parce qu'on ne sait pas trop des fois dans où on va. Mais bon, dans l'idée, ça reste une bonne idée, hein, même si le problème des meilleurs, c'est qu'ils veulent gagner. Donc quand on met tous les meilleurs dans une même session, finir 14e quand on est censé être le meilleur, ça passe toujours très très mal. On le voit, hein, même sur les forums, hein, quand il y a trop d'excellents pilotes, et ben, les pilotes tout simplement s'en vont, et on va pas les citer, on sait très bien qui on parle, mais il y a des pilotes qui retournent en VRK et dans un forum plus petit, histoire de gagner des courses, plutôt que de finir 5 ou 6e dans un championnat trop relevé. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment faisable des fois à long terme. Alors oui, c'est un point qui est soulevé sur le chat. Est-ce qu'il faudrait pas un peu plus de pilotes venant de différents forums? Parce que là, c'est vrai que c'est un peu un championnat F1 Simubis. Ah bah clairement, oui, ça, c'est un énorme problème. On enlève la F1 Simu, il n'y a plus de championnat de France. Enfin, il restera bien sûr nos amis de la Team F1, qui sont au nombre de 3 ou 4, hein, Clou Coco, Chronique, Gaëtan. Klaus Coco, pardon, excusez-moi, pardon, Klaus. Yes. Il était là-bas, la Caterina, on le salue, Marco. Et donc, oui, voilà, c'est un énorme problème. Très clairement, Jean-Libre, on ne peut pas recommencer la même chose l'année prochaine, c'est pas possible. Oui, mais le truc, c'est que si on veut prendre les meilleurs pilotes, ouais, il y a quand même la plupart qui sont à la Simu.
Eh ben oui. Ils sont pas tous là, mais la grande majorité sont là. Mais pour reconnaître qu'ils sont les meilleurs, le problème, comme vous dites, je vais le dire, c'est qu'au départ, le championnat de France ne devrait pas recueillir que les meilleurs pilotes, il devrait recueillir tous les pilotes. Et à ce moment-là, c'est là qu'on verrait les meilleurs. Mais là, en ne faisant venir que une quinzaine de pilotes, forcément, on veut les 15 meilleurs, il reste pratiquement 10 IMU et puis quelques autres. Mais bon, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse continuer dans cette situation parce que on ne peut pas amener les trois quarts de la SIMU faire une compétition ailleurs parce qu'à ce moment-là, ça n'a plus de sens. C'est la compétition officielle qui devrait pas être là-bas et qui devrait être carrément chez nous. Voilà. Ça, il faut le dire. Donc, clairement, il y a quelque chose qui est bancal, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment la solution. Hein. Moi, on y réfléchit. Il y a peut-être, comme pour la Cap Arena, une sorte d'invitation parfois. Il pourrait, mais le problème qu'il y a eu l'année dernière, et vous le savez très bien, Jean-Yves, c'est que les autres forums ne souhaitaient pas tout simplement participer. Voilà. On se rappelle des Race Championship, on se souvient des TCP, on se souvient des Fuel F1. Ils n'étaient pas intéressés. Ils ont eu une proposition, ils n'ont pas été intéressés. Donc peut-être que pour la Cap Arena, s'ils avaient eu cette même proposition, peut-être qu'ils l'auraient été, parce que ça se jouait en une course, il y avait des gains à la clé. Peut-être qu'ils seraient dit ça vaut le coup. Mais bon, en tout cas, en termes de championnat, ça n'a pas porté ses fruits, parce que tout simplement, ça reste un forum tout à fait identique au nôtre, juste qu'il y a les sponsors derrière. Et dans ces cas-là, il y a plus un côté concurrentiel qui rentre en jeu plutôt que événementiel. Il y en a qui disent que beaucoup de forums n'ont pas la mentalité compétition, que c'est plus pour le loisir. Ah ben complètement. Le fait que ce soit sponsorisé, ils s'en foutent. Mais je peux comprendre. C'est pour ça que je dis que c'est important qu'il faut garder les communautés. Ça c'est sûr. Parce qu'on a toujours envie de passer un moment sympa entre potes et qu'il soit peut-être un peu plus détendu, hein, malgré que ce soit très très sérieux. Voilà, il y a certains forums qui sont peut-être un peu moins sérieux et que c'est vraiment pour le plaisir. Il faut pas enlever ça, hein, parce qu'on est aussi là pour s'amuser. Non, ouais, c'est il y a différentes visions. Bien sûr. Chacun a sa place. Bien sûr. nous allons passer, alors je vais vous envoyer la liste quand même, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Oula. Nous allons passer au moment tant attendu. Alors je retrouve le petit formulaire. C'est le tirage au sort des 20€. Ah oui. PSN que je vais offrir la semaine prochaine, parce que je peux encore aller chercher le truc. Ça c'est un beau cadeau. Je vous envoie ça. Puisque on va faire un petit tirage au sort. Alors, je vous l'ai envoyé. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Que vous faites, vous avez pas un logiciel, enfin pas un logiciel, mais un site où vous tirez au sort. Oh putain, vous auriez pu me revenir là. meublé. Hein. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, je vais le faire manuellement. Est-ce qu'on peut pas faire une pause musicale? Une petite pause musicale? Moi, ça me pose aucun problème. Pause musicale, je fais les petits papiers et on fait le tirage au sort juste après. Je vais vous mettre la petite musique que je vous ai montrée l'autre jour. Vous l'avez aimé, Jean-Lim? Oui, elle était très bien. Eh ben, je coupe les micros et on met. Oui. Thank you.
emotions tangle down and then take flight, but never tie us down, and never tie us down. Emotions tangle down and then take flight, but never tie us down, and never tie.
Bon, c'est tout, c'est fini. Ah, c'était un peu long. Non, mais non, c'était parfait. D'accord. Écoutez, la personne est connectée. La personne est là ? Sur Skype. Je rappelle ce qu'il faut dire. D'ailleurs, c'est Fibo qui va le rappeler, qu'est-ce qu'il faut dire. Oh, c'est très intéressant. Voilà, donc... Merci Fibo. Donc, pas de bonjour ni rien, tout de suite ça. Je le vois pas, moi. Je le vois. Attention. Bien vu, Greg. C'est parti. Ah oui, en effet, je l'ai pas. Ça va bientôt sonner, ça sonne là. Hein. J'aurais dû mettre des tonneries plus. Même Kéop se pointe. Mon Dieu. Écoutez, s'il ne répond pas, on va devoir retirer au sort. Ah là, s'il répond pas, mais quel drame, incroyable. Il va passer à côté de 10 000 euros. Le mec, il coupe trop la radio. Oh là là, et on va essayer de rappeler quand même, c'est un peu cruel. Surtout s'il est là. Incroyable. Donc, en attendant qu'il arrive, c'est vrai, Grégory Ferbro a raison, je rajouterai dans les flops de la première saison, dans les flops, le titre de la première saison GP3. Et peut-être que Greg peut nous en parler, puisque c'est son domaine, le GP3. Allez-y, n'hésitez pas, Greg. Oui, allez-y. Il est mort de rire à chaque fois. J'aime bien, à chaque fois. Oui. C'est sur la fin de saison, effectivement, il y a eu un souci au niveau de avec la FIA et l'équipe russe Marussia, où les deux pilotes étaient disqualifiés suite à des comportements sur la piste que les commissaires ont jugé pas propres. Et du coup, l'équipe a fait appel, du coup, ces pénalités ont été enlevées et finalement, le pilote a pu être champion du monde, ce qui n'a pas été bien vu par rapport à l'autre adversaire blondin à l'époque au championnat. Et j'ajouterais, si vous me permettez, Grégory Fébro. Allez-y. Si ça a été mal vu, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y avait eu quand même une forme de chantage de l'équipe Marussia, notamment de Christopher, qui avait dit puisque c'est comme ça, moi je finis même pas la saison, tant pis quoi. Et là, c'est là que la FIA a eu tort. La FIA a cédé un petit peu à ce chantage. Elle n'aurait jamais dû. Puisqu'elle a redonné la victoire à Christopher et elle a à peine mis, je crois, 10 places de pénalité au Grand Prix suivant. Mais surtout, ce que les gens n'ont pas aimé, c'est que malheureusement, Ricky et Blondin, pas de chance, ont buggé tous les deux au Grand Prix suivant à Austin, là où Christopher a de nouveau gagné, je crois. Et Christopher s'est tout simplement payé leur tête, quoi. Alors que c'est eux-mêmes qui avaient demandé à la FIA de revoir sa sanction pour la beauté du championnat, de ne pas le disqualifier. Ils avaient vraiment poussé dans ce côté-là. Et finalement, pour qu'une semaine après, il se fasse charrier par Christopher parce qu'il avait buggé. Et la dernière course est tout aussi cruelle puisque Ricky a de nouveau buggé. Et Blondin, lui, n'était plus vraiment dans la course, donc il n'a pas fait vraiment le Grand Prix à fond. Et voilà, et ça, le public a vraiment très très peu apprécié. C'est vraiment un titre qui est pas beau, hein, qui restera pas dans les annales. Bon, il est comme ça, on peut pas le changer. Mais c'est comme ça. Alors qu'on a un message qui arrive dans les mots. On a un message. Je rappelle ce qu'il faut dire. On va le rappeler. Je vais laisser un peu parce qu'il y a un peu de décalage entre entre Skype et le live. Donc il faut dire quoi déjà, Philou ? C'est très intéressant. Voilà. Donc il faut dire cette phrase directement. Vous décrochez, vous dites cette phrase. C'est génial. Quelle bande de malades. Ça va être. J'ai hâte. Je plains celui qui va devoir le faire. Je plains aussi, attention. On rappelle la personne. On rappelle. Oh là là, on le rappelle. Il faut qu'il décroche. Ah ah. C'est très intéressant. Bravo. Alors. Vous les avez, les 10 000 euros sont pour vous. Oh là là là, incroyable. Donc c'est
Info Street, hein, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, qui a gagné les 20 euros que je vais lui donner donc cette semaine. Voilà, j'irai le chercher mardi, non, mardi après-midi. Je crois que c'est un petit code à donner. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Pas maintenant, hein, parce que... C'est ça. Parce qu'on peut se faire plein de trucs. On peut s'acheter quoi? On peut s'acheter... Je sais pas pourquoi vous rigolez. J'adore le mec. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent là? Je vais acheter un bateau, je vais acheter une maison pour ma famille. Je vais construire mon équipe de maison. Ah, non, mais j'aime bien. Je cherche quelque chose. Allez-y, hein. Continuez. Non, c'est vrai, c'est parce que voilà, il y a des gens qui peuvent acheter, réserver ça pour des DLC, d'autres pour acheter une partie d'un jeu, d'autres complètement. Pour payer un abonnement, voilà. C'est faux. Pour l'abonnement, pour prolonger en fait. Écoutez, je m'intéresse à la vie des gens, monsieur Brodia. Et c'est une qualité, c'est une qualité. Moi je m'intéresse, voilà. Voilà. Vous êtes en train de partir. Ça vous fait plaisir, Street? Ah, mais bien sûr, hein, bien sûr. On passe à côté, bon. Désolé pour Kéops, hein, qui. Ah, c'est. Ça, il passe à côté. C'est Kéops qui l'a raté? Ah, bah oui, il m'a dit qu'il avait pas Skype. Donc, il vient de s'y connecter juste avant. Oh, quelle tristesse. Eh bah, tant pis. Eh ben non, Mastery, vous n'avez pas gagné. je suis un peu triste pour Kéops, parce qu'en plus je l'ai vu se connecter, mais on était déjà en train d'appeler Mastery pour la deuxième fois. Non, mais c'est tout au début, hein. Ouais. Ah, quelle tristesse, putain. Quelle tristesse, bon, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? On ferait 8-10 euros. Non, 10 et 10. On lui donnera rendez-vous l'année prochaine à Kéops et on refera un petit tirage. Oh. L'enfoiré. Cette émission live touche à sa fin. Oh, déjà? Déjà. Déjà, oui, ça fait 1h30 qu'on y est. Il faut s'arrêter là. Il faut arrêter de bosser. Voilà, c'est le week-end. Merci Olivier Brognard d'avoir été avec nous. Ah, c'était un grand plaisir, j'en ai comme d'habitude. Si, merci pour toutes ces années passées à mes côtés. Il y en a encore plein. J'ai pleuré. Merci également à Greg Ferro. Ça fait un plaisir, comme chaque année. Merci. Toujours, on part de rire toujours. Et voilà, donc bientôt, on espère que Greg Ferro reprendra le micro. Oui, on l'espère, c'est à l'étude. On l'espère, parce que c'est quelqu'un de grand. Mmh. Il fait 1m90. Merci à Claire d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci, et puis merci à Mostrid, voilà, d'avoir joué à cette émission. Ah, bah, merci à vous. Et il repart avec les 20 euros. Merci également à Geeks et à... Peut-être en cavard pour avoir participé à ce 90 secondes chrono. Et puis merci à tous ceux qui nous ont regardés ce soir et à participer au chat, ça fait plaisir. Et voilà, et puis ça fait 5 ans, ça fait une demi-décennie, vous en rendez compte? C'est énorme. Vous en rendez compte? 5 ans que je vous supporte, Brodia. C'est pas facile. Chapeau. Et donc on se donne rendez-vous très prochainement sur F1 Simulté, donc lundi prochain je crois, pour... Le Grand Prix Silverstone. Tout à fait, exactement. On était un peu perdu, mais c'est bien ça. Silverstone GP2. C'est pas lundi là, mais lundi d'après. Voilà. Enfin, les calendriers prévus. Et Global F1, bon, cette rediffusion sera disponible sur YouTube et on fera d'autres Global F1 dans la saison. Et l'année prochaine également, hein, 6 ans, on va faire la même chose en live avec le même sorte d'émission. Merci à tous de nous avoir suivis et on finit sur un petit cadeau qui nous a été transmis. On le remercie, ça fait très plaisir. Merci à tous et on se retrouve très prochainement. Salut. Bonsoir. Alors, bye bye. C'est pas Ergaffe. Je tenais à vous adresser ce petit message vidéo pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. C'est un cadeau de pur bonheur et je pense qu'on est reparti pour 5 autres années et voire plus. Et comme on dirait dans une certaine principauté, pas très loin de chez moi, quoique quand même. Auguri tiuri per una anna 2016 cum ad alegria et de felicitas.